Voici une tâche sans réponse préformulée. Un carré est coupé par une parallèle à un côté pour former deux rectangles. La somme des périmètres des deux rectangles est 30 centimètres. Question, que mesure le côté du carré en centimètres? Appelons ce côté du carré petit a. Ce segment vert coupe ce carré en deux rectangles et nous savons que la somme des périmètres de ces deux rectangles vaut 30. Appelons petit b la largeur de ce rectangle. Alors forcément, la largeur du deuxième rectangle, c'est a moins ce b. Et ainsi, le périmètre du premier rectangle s'écrit a plus b fois 2, donc comme ça. Et le périmètre du deuxième rectangle s'écrit a plus a moins b fois 2, donc comme ceci. La somme de ces deux périmètres vaut 30. Cette égalité s'écrit encore comme ceci. 2b moins 2b, les b disparaissent et il reste 6a est égal à 30. Donc a est égal à 30 sixièmes, c'est-à-dire 5. La réponse finale à la question posée, c'est donc 5. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.